Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Crypto des Cryptos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment répondre aux keys de l'ICO Centrifuge. Donc vous avez dû recevoir aujourd'hui un mail à 18h30 concernant l'ICO qui va se passer demain vers, je ne sais plus exactement quelle heure, mais en tout cas ça va se passer demain, donc voilà. Et j'ai fait, donc je voulais faire une vidéo pour ceux qui débutent encore sur la crypto et qui veulent, bah, qu'ils ont reçu le mail, qui savent pas comment répondre. Donc voilà, donc c'est très simple. Voilà, suivez-moi. Donc voilà, pour compléter le quiz. Donc c'est très simple. En commençant par, donc voilà, la première question. What is Centrifuge Bulletin? Donc c'est très simple. C'est vous répondez sur Polkadot plus Ethereum. Donc voilà, et pour la question, deuxième question, how many people receive and allocate if everyone purchases at the maximum purchase limit? Donc c'est l'option 18 700 et 12 920. Donc voilà, faites attention aux ordres parce que des fois ils sont pas dans la même ligne. Donc voilà, n'essayez pas de copier mon écran. Donc voilà, faites bien attention. Donc concernant troisième question, what is the sale mechanism for the centrifuge sale? Donc, user in the waiting room will be given random spot in the queue when the sale start. User who arrive after the sale start will be placed behind those in the waiting room. C'est ça la réponse pour la troisième question. Donc voilà, concernant la quatrième question, what is the lookup schedule for the token? Donc c'est l'option token unlock on July 14, 2021, option 2, token release linearly over 2 years, started from July 14, 2021. Voilà, donc concernant question numéro 5, what currency are accepted for payment in the sale? So it's BTC, ETH, USDC, USDT token. Donc voilà, concernant sixième question, what is the price per token and max purchase for the sale? Donc c'est 0,55 per token, $500 limite. Et option 2, 0,38 per token, $500 limite. Septième question, what will happen if someone submits a purchase but doesn't complete it? So it's the user purchase may be cancelled and the user may be banned from future conlist sales. Concernant huitième question, where will I be able to participate in the token sale? Donc c'est coinlist.co bien évidemment, et c'est le seul qu'on peut participer à cet SEO, sinon les autres c'est du scam. Neuvième question, what happened to user who use bots or abuse the queue its system? The user count will be terminated and all purchases will be cancelled. Et voilà, donc je pense que là on a tout vu, toutes les questions. Donc là, on va cliquer sur continuer. Et voilà, tant que ça y est, c'est fini, c'était rapide. Maintenant, voilà, il faut attendre 23 heures à partir de maintenant. Et puis voilà, j'ai bonne chance pour tout le monde. Et on se voit très bientôt. N'hésitez pas à abonner. Abonnez-vous. Voilà, abonnez. Ouais, voilà, clique sur abonner. Abonnez. Voilà. Et j'aime. Et si tu veux laisser un commentaire. Et ça sera la bienvenue. Allez, salut!